Mais pour les hommes, si les hommes voient les visions, que le frère parle en langue, et que l'autre frère interprète les langues, ce n'est pas pour le même, c'est pour le bénéfice des autres. Les malades qui sont ici, ils recevront leur guérison par les dons des autres. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé son humanité. Il a créé toute l'humanité. Il a mis cette loi-là. C'est la loi du bien-être. Il veut que tout le monde vive bien. Dieu veut que tout être vive bien. Si je suis seul, je ne peux jamais me suffire. C'est la raison pour laquelle Dieu même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme et la femme se complètent. C'est toute l'humanité comme ça. J'avais donné l'exemple. Le frère, c'est un. Il est du corps médical. Frère Mayonga. Il est du corps médical. Est-ce qu'il a étudié la science médicale pour se soigner lui-même? Pour soigner qui? Pour soigner qui? Les autres. Moi, toi, prenons par exemple le chef de l'État. Il est chef de l'État. Le mangue ne peut pas produire de mangue pour lui-même. Non, ça doit produire pour que les animaux mangent, pour que les oiseaux mangent, pour que les chauves-souris mangent. Et il est là pour que les oiseaux viennent nicher là, au-dessus de ses unes. Aux côtés de toi. Amen. Et sont ici mon père. Et tu as mis la compagnie d'ailleurs de ma paix. Qui ne porte pas de fruits. Oh, il y a combat à mouvater. Et parfois les fruits que tu portes ne sont pas bons. Même à mon doudou, attends pour moi, il y a combat à la. Et d'aller pas pour ma malade. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Oui. Personne ne peut en discuter. Personne ne peut la rejeter. C'est la raison pour laquelle l'arbre a été maudit. Et c'est la raison pour laquelle tu amènes la malédiction sur toi et sur ta famille.
Peut-être que Dieu ne t'a pas encore maudit. Qu'il trouve de bons fruits. Parce qu'un jour il passera. Écoutez-moi. L'arbre qui est dit, qui l'arbre en question, c'est l'arbre que Jésus voyait toujours quand il passait. Quand il part en Béthanie, il retourne par la montagne des Oliviers pour descendre la colline et monter à Jérusalem. La malédiction n'était pas encore elle. Parce que Jésus n'avait pas encore eu besoin de quelque chose de cet arbre-là. Peut-être que toi tu es gardé encore. Parce que Jésus n'a pas encore eu besoin de quelque chose de venant de toi. Mais le jour où il aura besoin de quelque chose qui vient de toi, et que tu ne le produises pas, le sort sera comme le sort de cet arbre-là. Malédiction. Qui viendra encore vous enseigner pour que vous puissiez écouter? Vous avez la chance. Parce que pasteur Azo Douzi. Jésus dit, verset 6. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Jésus le simple. Vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits.